bah voilà, la mairie a finalement décidé de détruire la vieille tour. J'ai du mal à imaginer que demain, il ne restera plus rien. Le temps est passé à une vitesse folle. Oui, dans un clignement d'œil. On fait un dernier tour dans la tour. Non, mais regardez-moi ça. Ça n'a pas du tout changé. Mais j'avoue que je n'avais pas le souvenir d'autant d'odeurs déplaisantes. Non, non, ça c'est moi. Je dois manger beaucoup de fibres à cause de mes problèmes de digestion. Vous avez entendu? Hey, j'ai déjà dit que c'était moi. Pas ça, imbécile, écoutez. Je n'entends rien du tout. Moi non plus. Ça recommence. Je crois que ça vient du divan. Oh, c'est pas vrai. C'est ma vieille cassette de BER. Qu'est-ce que c'est que ça, BER? C'est pas le nom du glacier en bas de la rue? C'est le nom du groupe qui a composé une mélodie magique. Moi, je suis plus du genre menthe et pépites de chocolat. Mais je parlais pas de glace. Non, je parlais de la chanson magique écrite et interprétée par Carl Burnett, Franklin Enea et William J. Regan, connue sous le nom de BER, qui avait le pouvoir de nous transporter dans une autre dimension. Wow, attends, attends, tu veux dire qu'on va pas aller manger une glace? On devrait y retourner, en mémoire du bon vieux temps. C'est pour les jeunes, ces choses-là, Cyborg. Oui, on est trop vieux pour la pop musique. On est peut-être vieux, mais la musique est éternelle. D'accord, on y va, mais il faut qu'on soit rentrés à 15h. Il ne faut surtout pas que nous soyons en retard pour le souper. Bouillage, cabouche. Préparez-vous à entrer dans un monde de magie et de musique. Oh, bon sang, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Attendez. Et voilà. La nuit, salut, meurs!